Bonjour tout le monde et bienvenue à Learn French by Suchita. Je m'appelle Suchita, votre enseignante de la langue française, and in this video, we will be looking at my way of attempting TEF Canada Expression Écrite Writing Examination, Section B, where you need to write a formal letter to the editor. Before we begin with this video, I would like to introduce you to my website, www.learnfrenchbysuchita.com, where you will find recorded courses for all your French language needs. We have courses for DELF A1, DELF A2, DELF B1, TEF TCF recorded course, French phonetics as well. We have special courses for our school students ranging from grade 5 to grade 8. We also have courses for university students who are enrolled in certificate course or diploma course in Delhi University. And finally, we also have courses for our school students who are aiming to appear for their DELF Prem or DELF Junior examinations. So hurry up and check it out. So without any further ado, let's get into the video. And since I received a lot of requests from you people stating that you want to see my write-ups, my way of attempting TEF Canada Expression Écrite writing section, section B, where you need to write a formal letter to the editor. So here I come up with the videos where I will be uploading few of my letters which I wrote while preparing for TEF Canada examination. And I really hope that this series would help you out when you prepare for your examination. And in this particular video, we will be looking at the topic, la pollution s'est propagée, faire attention à sa santé ne sert à rien. Before we begin with this letter, I would like to tell you that in the beginning, you do not need to write the name and address of the organization. You need to directly begin with Monsieur le rédacteur en chef. So let's just look at my letter. La pollution s'est propagée, faire attention à sa santé ne sert à rien. Monsieur le rédacteur en chef, je viens de lire un article dans votre journal. Étant une lectrice assidue de votre quotidien depuis sa création, je voudrais exprimer mon point de vue sur cet article selon lequel ce n'est pas utile de faire attention à sa santé puisque la terre est déjà trop polluée. Je partage votre avis. Alors, permettez-moi d'ajouter d'autres réflexions. Tout d'abord, l'augmentation des véhicules et de la circulation engendre la pollution de l'air. L'air que nous inspirons chaque minute a des effets néfastes sur notre santé, ce qui engendre plein de maladies telles que les problèmes respiratoires ainsi que cardiaques, toutes sortes de cancers, etc. Sans doute, les gens sont devenus plus conscients de leur santé. Cela ne sert à rien si la qualité de l'air que nous respirons est si dégradée. Une étude menée par l'ONG, l'environnement, révèle que la pollution de l'air a augmenté par 4 fois au cours de ces 3 dernières années. Outre cela, les usines ne cessent de multiplier chaque année, ce qui provoque les déchets croissants. Toutes ces ordures sont jetées dans nos fleuves et rivières qui causent la pollution de l'eau. Je suis convaincue que l'eau que nous buvons est purifiée. Serait-il possible de la purifier complètement? Toutes sortes de maladies du ventre sont causées par l'eau sale que notre population boit quotidiennement. Par ailleurs, de plus en plus des arbres sont abattus chaque jour afin de créer de nouvelles habitations ainsi que faire de l'agriculture qui encourage la dégradation du sol et de l'air. Les statistiques publiées récemment dans la revue La Santé précise que le nombre des arbres a chuté par 2 fois par rapport à 2021, qui est selon moi un chiffre très inquiétant. Je comprends que être conscient de sa santé est obligatoire, mais avec cet accroissement de la pollution chaque année, je ne pense pas que ce soit utile. Je comprends que d'autres lecteurs ou lectrices ne soient pas du même avis,
Cependant, j'aimerais voir ma lettre publiée dans votre journal afin de développer une réflexion sur le sujet qui sera certainement riche d'enseignements. Veuillez agréer, monsieur, l'expression de mes salutations les plus distinguées. And at the end, you need to write your name. Now that's it for this video. If you like this video, do not forget to hit the like button, subscribe to our YouTube channel, and do not forget to share this series with all your friends and relatives, whosoever is preparing for TEF Canada examination. And I will see you soon with the next video. Till then, au revoir, à bientôt et bisous bisous.